Les webinars. Ok, c'est bon. Bonsoir à tous. Je suis pas content de vous avoir, Mehdi, Olivier et moi. Le thème de ce soir, c'est décrocher son premier job et comment évoluer en continu, avec Olivier qui va nous toucher un mot sur tout ça. Il a été VP produit chez Comet et ex-project director chez Mano Mano aussi. Un petit mot très rapide sur moi j'étais commercial dans l'IT, je suis en pleine transition vers le PM. Et je suis donc bah, élève maestro, euh, le bootcamp euh, PM euh, du moment. N'hésitez pas, Mehdi vous touchera un petit mot à la fin dessus, mais euh, jusqu'à maintenant, on a eu des intervenants super quali. On est tous très contents, c'est le feu. Je laisse euh, Olivier. Bon, Olivier, tu veux que je fasse ton parcours très rapidement Tu le feras sûrement mieux que moi. Tu veux, franchement, c'est… Vas-y, vas-y, je t'en prie. Oui, bon, très bien. Bon, tu l'as un petit peu résumé, donc je ne vais pas… Euh, là, sur la slide, on a mis vraiment euh, les débuts. Donc, euh, la première ligne, c'est quand j'étais à la maternelle. Ensuite, il y a… Ah ouais, non, pardon. Je suis du trop bas. Euh, mais globalement, non, les, les deux dernières euh, expériences significatives, je pense, c'est VB Product chez Comet dont tu as déjà parlé. Il euh, y avait… On était euh, 4 PM. Il euh, y avait deux designers en freelance qui nous accompagnaient et Product Director chez, chez Mano Mano juste un peu avant où là, moi, je suis arrivé en tant que troisième product manager, centième employé. Et en deux ans, la boîte était passée de 100 à 450, l'équipe produit de 3 à 25. Et donc, on était passé de 3 squads à 25 squads avec tous les défis que ça, que ça représente. Et c'est pour ça que j'ai fait pas mal de recrutement, j'ai pas mal réfléchi à ce que c'est rentrer dans le product management, etc. Donc, j'espère voilà, pouvoir vous apporter quelques éléments de réponse. C'est okay, super. Euh, bon, voilà, très, très sommairement, le plan du FireChat. Fire euh, on va être pas mal aujourd'hui, donc euh, si, possible, si possible, je vous invite à poser vos questions par écrit dans le chat et euh, médiemment, on les relèvera parce que si tout le monde ouvre son micro, on ne va pas y arriver. Euh, on va commencer par un petit sondage. Si vous êtes à la recherche d'un premier job de PM, mettez un petit plus dans le chat. On va faire un peu euh, un Twitch euh, comme Olivier voulait. <laughs> on va essayer d'engager yes. un petit peu. <laughs> et sur ce, on va partager. Et comme sur Twitch, si vous pouvez subscribe après à ma newsletter, nickel. N'oubliez pas et mettez un pouce. Ouais, on va remettre le lien après de ta newsletter qui est longue. Ok. On est parti. Ah ouais, on, a des, on a des plus 1 qui arrivent. Hop, je pense qu'on peut commencer quand même. Alex Ouais. Euh... Euh, Olivier, tu peux partager tes slides si tu as que quelques trucs à montrer. Pas forcément. On s'était dit qu'on ferait des questions-réponses. Enfin, je, je partagerai mon écran euh, dès ouais, qu'il y a okay. des trucs intéressants. Euh, okay. Pour l'instant, je pense que shoot. Ok, ok. Alors, bah, tu voulais nous parler euh, de est-ce que euh, le métier de PM s'est fait pour toi Des euh, styles et surtout des, des traits de personnalité qui vont et qui ne vont pas. Ouais. Ok commencer par ça je pense qu'effectivement c'est une bonne entrée en matière euh, alors je me suis dit que c'était intéressant qu'on aborde ce sujet là euh, puisque globalement je pense que le product management on est à peu près d'accord c'est vachement à la mode aujourd'hui euh, pour des bonnes raisons hein. c'est à dire que déjà c'est un métier qui est globalement assez cool euh, on voit aussi que de très belles boîtes aujourd'hui sont réputées en grosse partie pour leurs produits et ce qui permet d'expérience de, 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 donc, très logiquement, on a pas mal de gens qui, euh, qui ont envie de rentrer dans le project management. Euh, le problème que je vois avec la hype que tu peux avoir autour euh, d'un. Euh, finalement, de, quand, il y a, voilà, quand il y a un métier comme ça qui est très à la mode, très dans le spotlight, euh, une des problématiques, c'est est-ce euh, qu'on n'est pas en train de complètement négliger ce qui pourrait être pas très cool dans ce métier-là Et donc, je pense qu'il y a vraiment des qualités, euh, des traits de caractère qui vont faire que le product management, c'est fait pour vous, ou à l'inverse, qui va faire que peut-être il faut vraiment se questionner avant d'y aller, parce que potentiellement, ça va vous rendre malheureux. Euh, donc, typiquement, je pense que le, le product management si, peut vous rendre malheureux si vous adorez euh, les choses certaines, quoi, avoir de la certitude, ou même avoir raison tout le temps. Euh, si vous aimez avoir raison, et notre système éducatif en France nous prépare pas mal à ça, donc euh, c'est un vrai point qu'il ne faut pas négliger. Si vous aimez avoir raison, il est très probable que product management c'est pas fait pour vous, parce que product management c'est globalement avec son équipe essayer d'inventer des solutions à des problèmes que les utilisateurs ont, euh, et la plupart du temps vous n'avez vraiment pas d'idées euh, très concrètes de comment ils vont utiliser, détourner ce que vous faites, voire même vous êtes convaincu qu'un truc va marcher et pas du tout. Euh, donc si vous aimez avoir raison Préparez-vous parce qu'en fait, vous allez avoir tort l'essentiel du temps. C'est bien pour ça qu'on a des démarches d'expérimentation parce qu'on part du principe qu'en fait, on ne va pas avoir raison. Euh, dans le même genre, si, si vous aimez vraiment, la, si vous avez besoin de validation externe, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est important pour vous, que les gens reconnaissent votre impact, votre qualité, etc., et que c'est des choses qui vous nourrissent euh, Il est possible que vous soyez malheureux là aussi parce que. En produit un product manager en fait qui réussit avec son équipe, ben, c'est son équipe qui a réussi. Par contre, euh, une équipe qui se plante, c'est pas mal le product manager qui va ramasser. C'est un peu comme être un, un leader, un manager. Vous avez vraiment ce côté-là, donc ça peut être un peu ingrat et il faut s'y préparer quoi. Donc, si vous avez besoin de validation externe, attention, vous risquez d'être un peu malheureux. Euh, la, la, si métaphore avez... que, que, -moi, la métaphore que j'utilise par rapport à ça, c'est celle. Ou es coach sportif d'une équipe de haut niveau dans un banc d'une équipe de basket NBA ou d'une équipe de foot. Euh, les résultats, quand c'est bon, bah, c'est tes joueurs qui, qui gagnent quoi. T'es développeurs, t'es designers. Par contre, quand c'est mauvais, c'est pour ta pomme et c'est toi qui sautes C'est exactement ça. C'est exactement ça. Euh, plus proche de nous, ça s'appelle Premier ministre. Voilà. Euh, <laughs> ce qui a même, euh, les mêmes initiales. Euh... Tu vas avoir aussi, euh, si vous n'aimez pas être euh, seul, si vous, enfin, si la solitude c'est difficile, euh, ça risque de vous rendre malheureux. Alors c'est contre-intuitif celui-là parce que on se dit que PM c'est un métier d'équipe, hein. on est vraiment un team player, etc. Et c'est vrai, mais à la fois il y a plein de situations dans lesquelles vous êtes soit le seul PM en fait de votre boîte, donc en fait vous êtes le seul à avoir ce type de, re... le seul ou la seule. Hein. Pardon, je vais pas mal utiliser parfois le masculin. Désolé d'avance. Euh, vous allez avoir, vous allez être, ouais. Parmi les seuls à avoir cette responsabilité-là. Donc, en fait, vous pouvez vous sentir seul parce qu'il y a plein de moments, il y a des décisions quand même vachement importantes à prendre et vous allez vous dire Putain, j'ai personne à qui en parler. Quand vous avez la chance d'être dans une boîte où il y a plusieurs product managers, bah, en fait, la manière dont sont organisées les boîtes produits, souvent, c'est en silo, ce qu'on appelle les squads. Donc, c'est-à-dire que chaque product manager a du coup un périmètre. Et le résultat de ça, c'est que même si vous êtes plusieurs dans la même équipe à être PM, il y a plein de moments où vous n'avez pas vraiment grand-chose à vous raconter au quotidien, sauf si vous le créez. Donc, typiquement, la solitude, ça peut être un truc qui est assez présent aussi, malgré que ce soit un travail d'équipe. Euh, si euh, vous gérez pas bien les, la responsabilité, la, la pression, etc., clairement, vous allez être malheureux. Là, je ne vais pas m'étendre parce que ça paraît assez évident, mais voilà, ça va être compliqué. Euh, si vous aimez avoir des grandes plages de travail super longues, etc., euh, et de jamais être interrompu. Pareil, ça peut vous rendre malheureux parce que comme vous êtes un connecteur de plein de personnes, euh, à la fois les stakeholders, l'équipe, etc., vos clients, vous êtes en interaction permanente avec plein, 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 plein de gens, euh, il est très probable qu'avoir des grandes plages de temps, euh, ce ne soit pas le truc le plus simple à aller chercher. Donc, pareil, ça peut être un peu compliqué. Euh... Ce que, ce que vous allez avoir, euh, si vous n'aimez pas prendre la parole, comme on est en train de le faire là, si vous n'aimez pas parler en public, si vous n'aimez pas écrire, en gros, si la communication ce n'est pas un truc qui vous passionne un minimum, ça peut être assez compliqué aussi, euh, parce que euh, vous avez comme job de clarifier ce qui n'est pas très clair, donc en fait, de passer d'un monde incertain à une espèce de vision, et d'être très synthétique dans votre prise de parole, d'aligner de, les gens et de enfin, vraiment faire en sorte que les gens aient envie d'aller d'un point A à un point B, donc il faut être super convaincant, etc., etc., donc la Communication et ces, ces compétences-là vont être très clés. Euh, enfin, euh, si vous aimez tout faire par vous-même, donc vous êtes un, un vrai doueur machin, etc., ça peut vous rendre un peu malheureux parce que encore une fois, votre job c'est pas tant de faire que de faire faire et de donner envie aux autres de faire et de donner l'espace aux autres dans votre équipe pour créer la meilleure solution possible. Euh, ça, c'est un peu pour moi tous les petits traits de caractère si vous vous reconnaissez là-dedans bah, creusez un petit peu posez-vous des questions avant de vous dire PM c'est forcément fait pour moi parce que c'est le truc à la mode à l'inverse si il y a plein de choses qui vont vous préparer donc euh, je vais passer un peu vite mais si vous aimez poser des questions euh, et pas forcément attendre une réponse définitive clairement vous allez vous épanouir si euh, vous, vous comprenez que en fait, avoir tort et bien le vivre, c'est un super pouvoir, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a des opportunités d'apprentissage. Vous allez être assez heureux aussi. Euh, si vous n'êtes pas trop rapide à critiquer, notamment les idées, les opportunités au début, parce qu'en fait, c'est très facile. D'avoir un avis chirurgical sur des choses. quand on... Donc là, le test simple, c'est vous avez un copain qui veut, copain, une copine, ils veulent créer une boîte, ils vous pitch le truc. Si vous êtes très fort à critiquer, c'est cool parce que ça veut dire que vous avez un esprit critique. Par contre, si vous, êtes... vous le faites d'une telle façon que la personne va abandonner son idée, c'est dommage parce qu'en fait, vous avez peut-être loupé une opportunité parce que forcément, une idée qui n'est pas très. Euh, qui n'a pas été très réfléchie, qui est au début de sa vie, elle est euh, pleine de défauts et il faut arriver, donc plutôt qu'à dire des euh, non, non, ça va jamais marché, il faut faire des oui et plutôt que des euh, non mais. Vous voyez le, le, le délire. Euh... Si vous êtes humble, si vous avez pas mal d'humilité que vous êtes à l'écoute de tous les indices, de... en fait vous affirmez une vision, mais en réalité vous êtes capable de voir dans la data, dans vos users, vous êtes à l'écoute de tout ce qu'on peut vous dire, euh, vous allez être capable d'être un bon PM euh, et d'être heureux pendant que vous faites ce job. Euh, et enfin, si vous êtes un peu passionné, quoi. Passionné par les produits, que vous êtes capable de. À chaque fois que vous interagissez avec un produit, vous le déconstruisez, vous essayez de comprendre et tout. Ben, ça veut dire que vous avez quand même des skills. Vous pensez en système. Vous êtes capable de. Vous avez vraiment un truc qui fait que euh, vous allez exceller dans ce métier-là, Et Olivier, euh, ce, que, ce que tu donnes, c'est des attributs soft skills de product manager euh, euh, très. Euh, alors, j'ai l'impression de reconnaître que, que on est on est dans l'univers startup et scale-up. Euh, ouais. Est-ce que tu vois une différence avec l'univers du consulting ou des grands groupes dans ces traits mmh. de personnalité Je pense que ça, c'est des traits de caractère en vrai qui te préparent pas mal à, à une pensée produit. Donc, euh, par exemple, un des mindsets que vous allez devoir aller chercher, c'est on n'est pas en train de faire du projet, on est en train de faire du produit. Donc, si vous voulez avoir une, une pensée produit, de questionnement, de, qui permet de vraiment euh, aller tu vois, titiller un peu la stratégie, d'être sûr qu'on est en train de travailler sur le bon truc, je pense que ça, c'est globalement les, les traits de caractère et en partie les soft skills dont vous avez besoin dans tout type de structure. Euh, ce qui va être plus vrai dans les plus grandes structures, c'est l'importance de l'alignement, du temps que vous pensez à avoir une influence dans l'organisation. La, dans la, dans euh, euh, enfin, ce genre de choses vont changer et souvent, le périmètre va se spécialiser. Mais là, ça va plutôt faire des changements, je pense, euh, pas tellement sur vos soft skills, mais sur les hard skills. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs colorations euh, de product manager. Plus tôt on arrive dans une structure, plus il faut être généraliste je dirais il faut être capable d'être à la fois un doueur mais aussi d'être assez à l'aise avec je sais pas des parties d'expérience utilisateur d'API si c'est ce que vous avez aussi à traiter et plein de choses comme ça euh, si vous êtes euh, plutôt euh on va dire, dans une grande structure, ben, il va peut-être falloir être plutôt spécialisé dans euh, la croissance. Il va peut-être falloir être spécialisé dans euh, juste l'UX, juste la data, juste euh, parce que vous avez travaillé avec des data scientists, euh, etc., etc. Donc, euh, ça va changer, je pense, plutôt sur les hard skills. On a une question, euh, enfin, deux ouais. questions autour de la communication. Euh, comment comment s'améliorer en communication Est-ce qu'il y a des bons outils aussi Best practice slash bons outils Ouais, c'est une vaste question. Euh, sur la communication, il y a. Je, je crois que j'ai les noms qui m'échappent là tout de suite. Il y, a, il y a quelques. Alors, la communication, ça commence par une... Enfin, je pense qu'il y a deux enjeux. Il y a avoir une pensée claire euh, et ensuite il y a savoir l'exprimer. Et ces deux compétences qui vont aller un peu de, ensemble. Donc, c'est-à-dire quand on parle d'un problème space, etc., c'est d'être capable de reconnaître un peu le système, de, de, de le cartographier et d'articuler le problème d'une certaine. De, de, pour qu'il soit assez petit, compréhensible, circonscrit, pour qu'après, il y ait de l'efficacité. Et ça, ensuite, il faut être capable de l'expliquer correctement. Donc, en fait, souvent, ce qu'on attend d'un communicant, d'un product manager de qualité, c'est d'avoir un esprit de synthèse, c'est euh, d'être capable d'utiliser du storytelling, de faire des métaphores, de donner des, des clés. Euh, et pour que les gens retiennent ce que vous êtes en train de leur dire, euh, il va falloir être capable euh, voilà, d'utiliser ça et de, de s'adapter pas mal à son audience. Donc, être capable de, de savoir interagir super bien en one-on-one, de savoir interagir avec un petit groupe, typiquement votre équipe, votre squad, savoir euh, prendre la parole en public, etc. Euh, donc, ça, c'est un peu. Là, je vous donne des mots-clés sur les choses que vous pouvez aller creuser parce que j'ai pas une ressource qui me vienne en tête qui est clé et c'est là, ça y est, vous avez la Bible. Euh, mais c'est un peu ça les choses. Dans Product Squad, il y a eu, un, un, je crois, un épisode du podcast de Axel Souria qui était avec euh, Arthur Rougier de, de, de Job Teaser, où il parle pas mal du storytelling. Je vous le conseille, c'est un, peut-être une bonne porte d'entrée pour ces aspects-là. Euh, et il le résume vachement bien pourquoi c'est important de, de tu ah bah, as parlé de beaucoup de. Euh, désolé, Alex, moi ça me passionne euh, comme sujet, donc j'enchaîne, je bombarde. Ouais, c'est toi qui es censé placer les questions. Je suis désolé, on va dire que je suis un mauvais headmaster. Mais, mais, ça, me, mais ça me passionne en fait. Et, et en fait, tu as, par, as parlé beaucoup de soft skills. Euh, je, je pourrais t'embrayer sur la question des hard skills, mais c'est tellement, tellement, tellement vaste euh, que peut-être qu'on peut prendre l'exemple concret de Comet. Euh, toi, tu attendais quoi de, des personnes que, que tu allais recruter en product management euh, Donc, tu as parlé des soft skills plutôt sur le côté un peu. Je vais être hard. honnête. Ouais. Je vais être honnête, je pense que moi 90% c'est les soft skills et 10% c'est les hard skills. Pourquoi Parce que les soft skills c'est les dimensions à changement lent. C'est à dire que si la personne n'a pas les bonnes soft skills, moi en tant que manager, je peux pas espérer quand. Si par exemple la personne a un très mauvais esprit de synthèse, elle se perd et elle n'est pas capable d'avoir une bonne qualité d'expression orale par exemple. Euh, ça va prendre vachement de temps parce que c'est vraiment très compliqué de changer ça. Donc en fait, moi, si je recrute la personne, le plus probable c'est qu'après euh, deux trois mois, on va se dire ouais, en fait, ça le fait pas. Euh, et j'arrive pas à t'aider, j'arrive pas à te mentorer assez vite et n'arrives pas à, voilà, à ramp up assez vite. Donc pour moi, les soft skills sont vraiment clés. C'est pour ça que j'en parle beaucoup. Euh, ensuite, il y a évidemment les hard skills, mais c'est clairement pas le truc le plus important selon moi. Ceci étant, si on creuse un tout petit peu ce truc-là. Euh, donc, moi, j'ai créé avec Comet, une, pour mon équipe, j'ai essayé de créer une, vraiment une, un mapping des skills que j'attendais. Euh, donc, si je montre un petit peu à quoi ça ressemble. Euh, alors, attends. Je regarde comment partager mon écran. Un bouton partage d'écran au centre oui, euh, en Oui, tout à fait. Mais parce qu'il me dit... Euh, ouais, bon, OK. Ah, je ne sais pas si ça va marcher. Vous allez me dire... Ah non, bon, c'est pas grave. Euh, je vais vous le dire à l'oral, parce que je crois que je n'ai pas fait les petits réglages qui vont bien avant. Euh, globalement, les, les, la manière dont j'aborde ce truc-là, quand je parle avec des PM, c'est que j'essaie de partir du principe qu'il y a trois niveaux de choses qu'un qu PM doit savoir, et ça va nous permettre de rentrer dans les hard skills. Le truc le plus important, c'est est-ce que le PM il a les bons mindsets ou pas Est-ce qu'il a le bon état d'esprit et ça, c'est un truc qui n'est pas super simple à évaluer, mais qui est important. Qu'est-ce que j'entends par mindset Alors, attendez, je vais vous dire les trois thèmes. C'est il y a des mindsets, donc des états d'esprit à avoir. Il y a des process à connaître et il y a des outils à maîtriser. Ok Et ça, c'est un petit peu, si je dois cartographier un peu plus les hard skills, c'est comme ça que je le cartographie euh, mindset, process et outils. Euh, en termes de mindset, par exemple, j'en ai cité un tout à l'heure. C'est euh, est-ce que vous savez faire la différence entre une pensée produit, et une pensée projet euh, Donc projet plutôt très delivery, produit c'est vraiment choisir ce qu'on va mettre dans le produit, pourquoi, problématiser, etc., etc. Est-ce que vous avez une pensée agile Est-ce que vous avez compris les principes de l'agilité Je ne parle même pas d'une méthode d'agilité en particulier. Les principes de l'agilité. Est-ce que vous avez euh, euh, compris l'intérêt de l'expérimentation, du lean, de gagner du temps, de savoir euh, pourquoi on fait ça, etc. etc. Euh, de la pensée critique, euh, du design thinking, du job to be done. Enfin bref, je pourrais en citer pas mal. Euh, globalement, est-ce que vous avez les bons mindsets et ça, je pense, c'est vachement intéressant de se dire, ah ouais, il y a des états d'esprit. Et globalement, si je devais conseiller deux personnes à suivre pour aller chercher ces états d'esprit, il y a Marty Kagan pour la partie Product Mindset, Empowerment, etc., du Silicon Valley Group. Et Shreyas Doshi de Stripe, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de threads sur Twitter, qui sont ultra intéressants et qui, je pense, sont une bonne porte d'entrée sur ces mindsets. Ensuite, sur la partie process, quels sont les process que vous allez retrouver le plus souvent, là vous allez peut-être avoir des process d'agilité, est-ce que vous savez faire du scrum, est-ce que vous savez faire du kanban, est-ce que vous savez faire du scrumban est-ce que vous savez faire la méthode à la basecamp, etc, etc, ça c'est par exemple des process de méthodologie agile donc dans le mindset agile, il y a des process en particulier à connaître, est-ce que vous savez concevoir et utiliser un processus de roadmapping Comment on construit une roadmap Comment je vais chercher, des, des, euh, euh, par exemple, des, euh, des stakeholders, etc. etc. Euh, comment j'aligne tout le monde Ça, c'est vraiment des process. Euh, pareil sur le user interview, sur le rétrospective, avec cette idée d'apprentissage en continu, etc., etc. Là, pareil, si je dois penser à deux, euh, ouais, deux personnes à suivre, je pense que John Cutler de Amplitude, super, il va vous donner plein de, de process euh, qui sont euh, potentiellement utilisables chez vous, euh, ou Lenny Raczynski, euh, qui est un ancien PM de chez Airbnb, qui maintenant a une newsletter payante qui est vraiment euh, super quali. Euh, et après, il y a les outils. Euh, donc les outils, il va se... en avoir plein. Hein. C'est plein de petites choses que vous allez utiliser. Euh, ça peut être les five whys quand vous allez être en train de vouloir remonter un problème. Donc poser cinq fois la question pourquoi pour essayer de remonter à la source d'un problème. Ça va être le pré-mortem quand vous voulez dans une gestion de produit-projet, vous allez lancer une initiative, vous vous dites est-ce qu'on n'analyserait pas les risques Vous allez faire un pré Donc le pré-mortem, si on se dit imaginons qu'on a travaillé sur telle thématique, on fait le... on est déjà dans six mois. Tout s'est très mal passé. C'est l'horreur. Qu'est-ce qui s'est mal passé Et si on listait tout ce qui, selon nous, fait que ça s'est mal passé Et ça, c'est un exercice que vous allez faire avec votre équipe. Donc, c'est un outil. Vous allez le faire avec votre équipe et vous allez voir, vous allez faire remonter euh, toutes les craintes, les angoisses, les non-dits de votre équipe et, et donc finalement lever des risques. Puisque l'idée de le faire avant le pré-mortem, c'est justement de, de se prémunir de ça. Euh, vous allez avoir des outils comme Jira, comme des outils de priorisation. Est-ce que vous utilisez Rice, le, cano, le modèle de cano, enfin des choses comme ça euh, Est-ce que vous utilisez Amplitude pour la data D'autres outils, Content Square, j'en sais rien. Euh, donc ça, c'est vraiment les outils qu'il va falloir maîtriser. Donc en gros, moi, j'aime bien organiser ça en disant, voilà, il y a des mindsets, il y a des process et il y a des outils. Et après, si on rattache ça à des skills. Les skills qui vont être importantes, il y en a plusieurs. Il y a les skills autour du discovery, donc à quel point vous avez des insights sur vos utilisateurs, donc à quel point vous êtes data informed, euh, à quel point vous êtes la voix du customer, vous savez faire de la user research, à quel point vous savez faire du design, du UX design, donc être capable de, de commencer à mapper le système de votre produit. Ensuite, le deuxi la deuxième grande thématique en termes de hard skills, c'est est-ce que vous savez faire de la strat produit Donc, euh, Je parlais tout à l'heure du mindset produit. Est-ce que vous êtes capable de raisonner sur votre business C'est quoi votre modèle de business Les grands leviers de ce business Est-ce que vous êtes capable d'objectiver l'équipe, etc. etc. Est-ce que vous, êtes vous avez des raisonnements stratégiques Est-ce que vous êtes capable de poser une stratégie avec euh, de croissance, d'extension de, du PMF, ce genre de choses Est-ce que euh, vous allez être capable de, de roadmapper donc, de prioriser les bonnes choses euh, avec euh, du coup euh, vos, vos, les équipes et les stakeholders. Et enfin, euh, les deux autres thématiques, ça va être toute la partie influence, euh, donc qu'on pourrait appeler communication, gérer euh, vos stakeholders et aussi votre manager. Donc, c'est savoir euh, est-ce que vous savez. Euh, donner les bonnes infos à votre manager pour qu'il puisse vous aider et puis qu'il puisse défendre et mener des batailles pour vous, et vice-versa Est-ce que vous êtes capable de, de vachement euh, lider votre équipe Vous n'êtes pas les managers de votre équipe, mais il faut donner le, le, la bonne motivation, mm -hmm. quoi. Euh, les, les compétences de communication dont on a déjà parlé, utiliser des métaphores, de, un esprit de synthèse, des choses comme ça. Euh, Est-ce que vous allez être capable de... Voilà, ça c'est un peu la partie influence. Et la, la dernière thématique, ça va être l'exécution produit. Euh, est-ce que vous êtes capable donc, de prioriser correctement, d'estimer correctement, euh, de scoper correctement, de builder en temps et en heure euh, Et est-ce que vous avez une culture tech, globalement, euh, qui vous permet de, de, de travailler avec des équipes tech Mais vraiment sur un mouton à 6, 7, voire 10 pattes, là. <laughs> <laughs> euh, est-ce est que. Est -ce que euh, on a parlé beaucoup de grille de salaire. Euh, enfin, pardon, de grille de salaire. Non, on va peut-être en parler. Je peux, je peux me permettre de juste de, parce que c'est important ce que tu viens de dire. Euh, quand on m'écoute là comme ça, on pourrait se dire euh, que ce dont je suis en train de parler, il faut que vous ayez toutes les compétences et que tous les potentiomètres soient à 100 Il est évident que personne n'est bon sur la totalité de ce que je viens de dire. C'est toutes les en fait ce qui va vous falloir, c'est être average partout, et être exceptionnel sur une partie d'entre eux. Et par exemple, les gens à qui je parle le plus souvent, euh, moi j'ai parlé, à, je fais du mentoring un petit peu à côté, et j'ai parlé à pas mal de jeunes PM qui euh, me disent comment je fais, je suis pas du tout, euh, je suis pas très analytique, moi j'adore l'UX, je suis pas très analytique, comment je fais pour être le meilleur en analytique Et je leur dis, mais pourquoi tu fais ça en fait Parce que oh, le, si c'est pour que tu sois malheureux, enfin tu vois, si c'est pour que tu fasses de l'analytique à, à 100% et que tu sois malheureux, il est très probable qu'à un moment... Euh, vraiment, tu abandonnes et tu fasses un burn-out. Euh, la vraie question, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez avoir une connaissance quand même sommaire de tout ce que je viens de dire, mais pas, la, mais pas être bon sur tout. Et moi, quand j'ai fait cette grille euh, pour mon équipe chez Comet, ce que je cherchais, c'était à évaluer si, en prenant toutes les personnes de mon équipe, on était globalement bon sur l'ensemble des dimensions qui me paraissaient nécessaires à un instant T chez Comet. Donc, j'avais pas besoin que chaque, chacun des product managers soit exceptionnel sur la totalité, mais bien sur une partie. Et, et juste pour revenir à, à, à ma question, euh, donc, donc tu, tu, tu parles des grilles de skills, soft skills, euh, hard skills, et ensuite tu as, as, as aussi la question du parcours de la personne qui se présente euh, pour être premier, première, product enfin, majeur pour la première fois. Euh, est-ce que euh, tu as des parcours Alors, toi, je sais que tu n'es pas du tout porté sur l'académique, mais est-ce que tu peux nous, nous dire. En, sur l'académique et sur le professionnel, est-ce qu'il y a des parcours qui favorisent ou qui défavorisent le fait de, 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 de trouver un job Oui. Euh, alors c'est une question qui n'est pas simple parce que ça dépend euh, en fait des boîtes. Et d'ailleurs, euh, disclaimer, je n'ai pas fait au début, je pense que c'est important de le donner. Ce que je, vais vous, ce que je, vous, ce que je raconte là dans ce talk, c'est euh, que mon opinion. Ma perspective sur ce que c'est le product management, ce qui est important avec tout ça. Et vous verrez qu'il y a autant de, de façons de faire de product management que de boîtes. Et donc, du coup, par exemple, moi, effectivement, on en avait déjà parlé, euh, Mehdi. Euh, moi, je ne regarde pas du tout l'école que vous avez faite ou ce que vous avez fait avant. Je m'en fous un peu. Je, je lis très peu le CV, en fait. Euh, je cherche d'autres signaux. Euh, oui. Ceci étant, oui, clairement, il y a, des, il y a des, évidemment des parcours qui, qui, vont vous, qui sont un peu des voies royales, d'autres qui le sont moins. Les parcours les plus évidents, c'est euh, vous êtes un ancien entrepreneur et vous rentrez dans le produit. Euh, ça vous aide parce qu'en fait, donc en partant du principe qu'il n'y a, a pas d'école hein, qui vous prépare à être product manager, aujourd'hui il commence à y avoir des bootcamps, des formations, mais il n'y a pas d'école. Donc tout le monde part sur le même pied d'égalité. Donc après, les parcours qui pr préparent le mieux, c'est entrepreneur parce qu'on sait que la personne, si elle a fait un produit, bah, elle a dû parler à des clients, elle a dû parler à des utilisateurs, elle a dû faire de la discovery, elle a dû se poser des questions, elle a dû, enfin bref, elle a dû construire le produit, elle avait une équipe, etc., etc. Donc ça, on sait qu'il y a plein de skills d'un product manager qui ont été expérimentés. Donc si vous avez été entrepreneur, ça aide. Si vous avez été très proche de l'équipe, c'est-à-dire vous êtes un ancien designer, un ancien euh, tech, etc., on sait que du coup, vous avez une partie des compétences dont on vient de parler. Donc ça aussi, ça aide. Et donc du coup, euh, à l'inverse, ce qui va être plus difficile, c'est des parcours euh, qui sont plus éloignés, euh, tout bêtement, de, de, de ces métiers-là. Et, et éloigné, après, c'est un spectre. Hein. Donc il euh, n'y a pas de, de règles claires, mais c'est vraiment juste un spectre. Par exemple, il y a... Il y a pas mal de gens qui viennent du, du support, du customer success, etc. Parce que là encore, ils ont exercé une partie des skills, ils ont interagi avec des équipes produits, potentiellement des équipes de développeurs, donc c'est potentiellement des voies d'accès. Parfois, on a des anciens consultants ou sales qui, pareil, ont une partie du, de, des skills nécessaires qui font que c'est assez facile. Euh, Peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que, euh, on va pas se mentir, la tech, on a parfois l'impression que c'est ultra-progressiste parce qu'on teste des nouvelles formes de management, on a des hiérarchies beaucoup plus flattes, euh, on a des gens qui disent qu'ils veulent changer le monde à travers leurs produits. Donc on pourrait croire que on retrouve pas les mêmes problèmes que dans la société. Pour être tout à fait honnête, je le déplore, mais je pense que c'est un truc qu'il faut avoir en tête, dans la tech, on a les mêmes biais qu'ailleurs. C'est important de le savoir. Si vous n'êtes pas un homme blanc, déjà... C'est un poil plus compliqué. Euh, là, c'est marrant parce que euh, quand je préparais un petit peu ce que j'allais raconter euh, ce soir, euh, vendredi, il y a la LPC qui a, qu a, qu a sorti son baromètre euh, 2020 euh, autour du Product Management, plein d'infos hyper intéressantes. Une des infos que j'ai trouvée la plus choquante et, euh, et déplorable, c'est euh, la différence salariale entre un homme et une femme. Euh, Aujourd'hui sur les postes de product management. Au tout début, on est sur euh, 1 000 euros de différence. Donc euh, statistiquement, non même pas. On est sur, non, on est sur 5 000 euros de différence à l'année. C'est déjà énorme. Ok, donc tout début, on est déjà sur une différence qui est quand même pas négligeable. Et sur les postes les plus euh, avancés, on passe euh, de euh, une médiane à 90 000 euros pour les femmes et euh, 105 000 euros par an euh, sur sur, le, sur les hommes. Donc il faut que vous ayez conscience que les biais qui existent dans la société sont aussi reproduits dans la tech. Donc, il y a des... si vous êtes âgé, bah, forcément, il va falloir se battre un peu plus fort. Si vous êtes... Enfin, bref, si vous n'êtes pas dans la voie royale, il va falloir se battre un peu plus fort. Mais ça veut pas... Par contre, je pense que c'est complètement possible. Hein. Euh, je ne veux pas du tout euh, dire, euh, c'est bon, plier bagage, partez. Euh, non, non, bien au contraire, euh, juste sachez que c'est là, euh, que ça existe. Et on va parler euh, juste après d'une de, partie des tactiques que vous pouvez utiliser pour choper votre premier poste. Euh, mais euh, mais voilà, ces biais-là existent malheureusement, donc euh, charge à nous, à vous, de le changer. Quoi. Ok. Justement, Olivier, euh, la deuxième partie euh, décrocher le job, les entretiens, les besoins des entreprises tech. Ouais. Euh, le conseil que je donne le plus souvent, c'est interrogez-vous sur le type de boîte que vous avez envie de rejoindre déjà. Euh, alors, on vient de parler des voies royales et tout ça. Si vous avez un super parcours, euh, vous êtes un peu en position de force, puisque le marché, il n'y a quand même pas euh, des millions de product managers euh, disponibles. Donc, euh, si vous êtes en position de force, je vous conseille de choisir le poste que vous allez avoir avant de choisir vraiment la, le, le type de boîte ou, le, ou même le marché. Parce qu'en fait, souvent, ce que vous voulez au début de votre carrière, c'est une grosse capacité d'apprentissage. Donc,. Euh, Choisir son boss, si vous avez la, cette possibilité-là, c'est mon conseil. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, il va falloir choisir un petit peu quel type de boîte peut vous correspondre. Euh, du coup, si on se dit qu'il y a les boîtes qui sont euh, euh, toutes petites, en, qui n'ont pas forcément encore trouvé leur product market fit, qui n'ont pas levé d'argent ou qui ne sont pas rentables, euh, bon, bah, partir du principe. Vous pouvez tenter, mais le plus souvent, ils ne cherchent pas de product manager. il faut le savoir pourquoi Parce qu'en fait, le peu d'argent qu'on a au début du, de, de la vie d'une entreprise, on le met plutôt dans les doers, sur les compétences que les fondeurs n'ont pas, en fait, que les fondateurs n'ont pas, et très régulièrement, ce que ça va être du coup sur du développement et du design, qui la plupart du temps ne sont pas trop représentés dans l'équipe fondatrice. Donc, en fait, c'est eux qui vont se partager les, les, les responsabilités du product management. Quand on va être sur des boîtes qui commencent à soit vous faire un site, lever un peu d'argent, ou qui commencent à générer du cash, etc., qui sont peut-être même rentables, là, on va souvent avoir l'apparition du premier product manager. Donc, product manager plutôt euh, généraliste et qui est capable d'être doueur. Et là, il y a deux grands cas de figure. Soit c'est quelqu'un qui a fait un move interne, donc je vous disais tout à l'heure, des gens qui gravitent déjà autour de l'équipe de développeurs. C'est pas rare qu'une personne s'invente product manager, c'est-à-dire la boîte a besoin de... De product management et la personne commence à le faire et puis euh, prend le titre. Quoi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans ma carrière. Hein. J'étais head of design dans une boîte, on a fait notre premier produit et puis euh, bah, du coup, on a un petit peu changé notre façon de travailler. Il fallait parler des clients, il fallait organiser tout ça. Bah, je l'ai fait et c'est en lisant Medium que je dis Ah putain, mais je suis product manager en fait. Euh, donc, ça, ça arrive pas mal. Mais ça peut arriver que dans ces boîtes-là, vous puissiez rentrer. Euh, sachez juste que ce qu'on va vouloir, c'est quelqu'un euh, assez hands-on qui est capable d'apporter de la valeur. Euh, et qui donc euh, sait faire un peu du X, sait faire un peu de data, sait faire un peu de toutes les grandes compétences dont on a déjà parlé. Euh, juste après. Euh, vous allez avoir des boîtes qui commencent à être un peu plus structurées, vous avez souvent déjà quelques seniors euh, qui sont là, il y a peut-être déjà un head of product VP product etc, et là vous pouvez commencer à faire ce que je disais tout à l'heure euh, vraiment choisir votre boss, parce que là vous pouvez rejoindre quelqu'un où vous dites je vais vraiment apprendre avec tout ça, et donc ça c'est des boîtes qui souvent quand on est junior moi je trouve c'est pas mal parce qu'en fait comme elles se sont structurées et qu'elles ont une jolie croissance, c'est des jolies étapes à, à connaître, et vous avez quand même du mentoring dans cette équipe, donc vous n'êtes pas euh, à poil complètement quoi. Euh, donc ça peut être une bonne façon pour accélérer votre apprentissage et ensuite vous allez avoir des boîtes qui ont vraiment explosé voire même des grands groupes euh, et bien parfois les grands groupes c'est par exemple une super porte d'entrée parce que c'est pas eux qui ont l'attrait qui est le plus fort chez les candidats. Donc, si vous avez, par exemple, un parcours qui n'est pas celui qui prépare le mieux au product management et que vous galérez à décrocher des entretiens et tout, bah, parfois, faire du product management dans des grands groupes, c'est une belle opportunité parce que vous allez choper le titre, vous allez commencer à utiliser une bonne partie des skills qui sont nécessaires pour faire du product management en startup et, euh, et en fait, vous allez aussi connaître potentiellement des niveaux d'utilisation que peu de startups ont. Quoi. Parce que si vous avez... Je prends n'importe qui, mais si je vous rentrais pas à la Société Générale, ils ont peut-être des millions de clients. Il euh, n'y a pas non plus euh, mille startups qui, euh, qui ont euh, des millions de clients. J'ai partagé euh, mes réflexions avec Alex dans le chat général. Donc, tout le monde a pu voir que tu as répondu à, 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 à toutes nos questions. Euh, et, et, mais moi, je vais revenir sur, sur la partie... Euh Juste avant les entretiens, donc décrocher l'entretien. Oui, euh, allons-y. Quand, quand, quand tu n'as pas, pas encore ce, 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 ce ouais. profil-là, et surtout maintenant, avant, il y avait, jusque mars, tu avais une petite euphorie sur, sur les recrutements de profils product et on allait euh, plus souvent aller chercher quelqu'un qui n'avait qui qui avait pas d'expérience. Là, c'est un peu moins le cas. Comment tu fais pour te rapprocher euh, de, ouais. de, très fortement euh, de ce, du fait de décrocher l'entretien Oui, carrément. Euh, ok donc je pense qu'il y a plein de petites stratégies que vous allez pouvoir faire et globalement il faut toutes les utiliser je pense et, et voir si ce qui marche la, la première chose c'est se présenter euh, correctement euh, ça commence par votre CV je pense il euh, y, y a beaucoup de gens qui en tout cas les gens avec qui j'ai parlé j'en croise beaucoup qui se disent un CV ça se veut un petit peu exhaustif c'est vraiment ce que j'ai fait quoi. Euh, je pense qu'un CV il ne faut pas le penser comme ça hein. c'est vraiment votre, la pub de vous même donc le CV, il doit vous vendre, entre guillemets. Je ne suis pas en train de dire inventer hein, des trucs, hein. je suis en train de dire euh, adapter le niveau de langage, euh, montrer, par exemple, si vous avez des expériences qui n'étaient pas forcément du product, bah, montrer ce que vous avez utilisé comme skills qui sont en rapport avec le produit. J'étais sales, ouais, bah, j'adorais faire des ateliers avec mes clients et essayer de creuser leurs besoins. Et donc, en fait, je faisais de la user research. Bah, Présentez-le comme ça. Faites pas en sorte de, que ce soit le recruteur qui doive se dire est-ce que cette personne elle a déjà fait de la user research si, si vous étiez au support, pareil, vous pouvez présenter des, des skills comme ça. Si vous avez, euh, bref, euh, été dans une équipe, par exemple, euh, je continue avec le sales, euh, vous étiez sales et il y avait une équipe de devs et vous pouvez dire ben bah voilà, bah moi, dans mon équipe de sales, j'étais un peu le, le champion euh, produit. Donc c'est moi qui faisais remonter tous les feedbacks, les insights clients, enfin ce genre de trucs. Enfin bref, essayez de voir dans chacune de vos expériences, qu'est-ce qu que vous avez fait qui était une partie des compétences produits et présentez-le comme ça. Vous avez organisé des initiatives, euh, créé des équipes, ben mettez-le en avant parce que c'est ce qu'on va vous demander en tant que product. C'est de leader une équipe et, de, et, de, et, et que sans aucune autorité, vous soyez quand même celui qui lead l'équipe. Donc, vous pouvez vraiment faire en sorte de vous présenter de manière adéquate. Et ça va jusqu'à, euh, faites en sorte de potentiellement… Euh, présenter vos impacts, d'être impact driven, data driven dans la manière dont vous vous racontez, ça va jusqu'à aussi euh, euh, peut-être utiliser d'autres formats, euh, pas hésiter à mettre de la vidéo, machin, même dans votre façon de postuler pour que vous sortiez du lot. Quoi. Ça, c'est vraiment se présenter de la manière la plus adéquate. Après, je pense qu'il faut s'entraîner. Se, se, Pareil, ça, c'est un truc que je vois souvent. Euh, se raconter et raconter ce qu'on a fait, etc. C'est pas hyper naturel en fait pour la plupart des gens. Chez euh, que bon, il le fait super bien, c'est un, voilà, un, un, un commercial né, mais pour la plupart des, des, des autres gens, c'est pas naturel de se raconter. Euh, donc, du coup, partez pas du principe que vous allez postuler à, votre, à la boîte de rêve et, et faire votre premier crash-tête sur la boîte qui vous fait la plus rêver. Moi, je pense que quand on fait des entretiens, c'est pas con, c'est comme, comme aller se présenter à un marathon sans s'être jamais entraîné, ça peut être casse-gueule. Donc, si vous. Vous faites des entretiens dans des boîtes où vous, vous dites, tiens, c'est peut-être intéressant, mais ce n'est pas forcément la boîte de mes rêves. Ce pas con, parce que ça va vous permettre de regarder, ah ouais, là, je me suis loupé, là, tel truc, j'aurais pu faire mieux. Là, j'ai loupé euh, cette question-là, etc. Vous allez voir aussi un peu à quoi ressemblent les process, ah oui, les types de questions que me pose le recruteur, le type de questions que me posent les product managers, le type d'exercice qu'on me propose, etc. Ça, ça peut être pas mal de s'entraîner, de peut-être trouver aussi des gens pour faire de la préparation à l'interview. Euh, je pense que dans les bootcamps, vous le faites, mais même en dehors, vous pouvez peut-être voir s'il n'y a pas des mentors, des gens qui pourraient vous aider là-dessus. Il y, y a un bouquin qui est connu, je pense, qui s'appelle Cracking the PM Interview, qui est euh, un bon bouquin de préparation au type de use case que vous pourriez avoir. Euh, donc, bref, entraînez-vous avant d'aller faire un entretien. La, la journée d'aujourd'hui chez Maestro, c'était euh, Cracking the PM Interview. Ben voilà. Pas sur le euh, bouquin, mais genre... de manière très générale. Ouais, tu as juste ouais. expliqué le est... titre, ouais. Mais il est hyper intéressant, ce bouquin. Il est mais il parle, il est très focus Google, Facebook. Et... Bien sûr mais ça donne des mindsets, ça, donne des mindsets ouais. voilà. ça dépend de ce qu'on cherche ne cherchez pas à répliquer vraiment de manière précise ce qui est expliqué il faut aller plutôt chercher le mindset vous verrez que dans toute la préparation dans ce livre ils vous disent bah, partez du problème posez les bonnes questions, renseignez-vous sur je sais pas, les objectifs de l'entreprise de fictive etc etc ça c'est des mindsets, des, 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 des mécanismes qu'il vous faut internaliser parce que c'est ce qu'on attend d'un PM euh, Olivier, j'ai ouais. une petite question d'Éléonore qui demande, et ensuite, faudra qu'on passe à la troisième partie, c'est quoi ta question préférée, ta question piège, pardon, préférée en entretien euh, Alors, attends, parce que j'ai encore quelques idées sur les stratégies, donc à vous de me dire okay. ce que vous préférez. Est-ce que, parce que s'il y a plus de gens qui sont en recherche, peut-être c'est plus intéressant de parler de ça. Ouais, restons macro. Que parler restons de la suite. À moment, vous de me dire. Ouais. Ouais. Ok, bah restons macro. Ouais. Oui, ok. Euh, je termine du coup ma petite liste. Après, je réponds à la, à la question d'Eléonore, ma question piège préférée. Okay. Euh, donc, toujours dans le côté entraînement, ben, il faut aussi se former, hein, tout bêtement. Donc, euh, les bootcamps, c'est peut-être une bonne idée, euh, comme Maestro. Il euh, y a des MOOCs aussi euh, qui existent, que ce soit sur Udemy, même sur Open Classroom, etc. Vous pouvez faire euh, bon, le traditionnel, je pense que vous l'avez entendu mille fois ça, mais faire un side project, c'est une façon de, de se former au job. Euh, moi, j'aime bien quand même dire, par exemple, moi, le side project, je prête pas trop attention si c'est un side project que vous avez fait euh, vous avec vous-même. Si vous n'avez pas embordé d'utilisateurs, si vous avez réussi à le vendre à personne, vous avez fait euh, 10% du travail. C'est comme si vous me disiez, euh, non, mais j'ai déjà créé une entreprise parce que quand j'étais euh, en études, on a fait un projet euh, de classe et euh, on, a, on, on a fait un business plan. Quoi. Donc. Euh, je me dirais, ouais, mais en fait, tu n'as pas eu à gérer euh, d'aller voir un banquier, tu n'as pas eu à gérer de parler à tes utilisateurs, etc. etc. Donc, side project, n'hésitez pas, c'est une bonne façon de se former, mais il faut aller un peu plus loin, je pense, que juste avec soi-même. Mais c'est mieux que rien. Le side project avec des métriques. Avec des métriques, enfin, des trucs qui... Enfin, des user, en gros, des users. Il faut qu'il y ait des users ou des prospects, enfin, que vous ayez parlé à des gens, parce que c'est quand même ça, beaucoup le travail de, de PM. Euh, pour continuer à se former, vous allez pouvoir... Euh, bah, Suivez des newsletters, il y en a plein de très bien. J'ai déjà cité quelques, quelques personnes. Hein. Euh, vous allez avoir des communautés aussi, il y a des Slack, il y a des, des meet-up comme aujourd'hui, des choses comme ça. Euh, bref, utilisez tout ce que vous avez à votre dispo pour vous former, pour avoir les bons mindsets, les bons process et les bons tools euh, que vous maîtrisez. Et c'est ce qui vous permettra, je pense, d'être crédible quand vous êtes face à, à des recruteurs. Euh, L'autre truc qui est assez intéressant, c'est d'aller développer votre unfair advantage. Euh, Parfois, vous avez la chance d'avoir déjà eu une carrière, donc vous avez peut-être du market knowledge, vous connaissez super bien un domaine, vous avez vachement travaillé dans le, je sais pas, dans le HR, euh, donc en fait, vous pouvez probablement vous dire, tiens... Mon premier post-PM, c'est n'est pas idiot que j'aille chercher une boîte qui est dans le HR, qui fait un produit dans le HR, parce qu'en fait, j'ai cette connaissance métier-là. Ça me donne un avantage. Alors, je n'ai peut-être pas été PM officiellement, mais par contre, euh, je vais accélérer sur ma connaissance du marché, sur un, tout un tas d'autres trucs comme ça. Donc, ça, ça peut être cool. Vous pouvez aussi aller développer des skills qui sont rares aujourd'hui, qui sont rares et qui sont recherchés. Euh, aujourd'hui, euh, si vous êtes très bon, enfin, euh, si vous formez très fort euh, sur du machine learning, il n'y a pas mille, mille PM qui savent. Euh, qui sache faire ça, quoi. Euh, donc, ça peut être, ça peut être pas mal. Si vous faites du no-code de manière assez avancée, ça peut être pas mal parce que déjà, ça vous donne une capacité à exécuter, d'aller assez loin dans votre, dans ce que vous êtes capable d'apporter. Euh, et, euh, et donc, du coup, ça va vous donner vraiment ce unfair advantage qui fait que votre profil devient tout de suite euh, beaucoup plus intéressant. Quand vous allez cibler des, des entreprises, euh, moi, je vous conseille de si vous n'avez pas le bon profil, quoi, c'est il faut aller beaucoup plus loin, il faut pas juste apply, parce que si vous allez juste euh, candidater, euh, il est probable qu'on vous regarde pas trop, parce que bah, au début quand même le, le profil est très proéminent quoi. Euh, c'est comme euh, comme être sur Tinder, quoi. Sur Tinder, au début. Euh, si vous pouvez avoir la meilleure personnalité, si votre profil est dégueu, bah votre pro... enfin, en tout cas, qu'il sort pas du lot par rapport aux autres profils, ça vous aide pas. Donc partez du principe que qu'est-ce que je peux faire pour que euh, je sois tout de suite vu euh, Et donc là, typiquement, ça peut être présenter une un Travail qu'à un rapport avec l'entreprise dans laquelle vous candidatez. Donc, vous ne pouvez évidemment pas le faire sur l'ensemble des candidatures, mais sur les candidatures qui sont vachement importantes, n'hésitez pas à faire un case study qui est lié à ce qu'ils veulent faire, aux problématiques que vous pensez qu'ils ont. N'hésitez pas à aller faire même un prototype en no code, une maquette dans Figma. N'hésitez pas à aller plus loin. N'hésitez pas d'ailleurs à candidater à des boîtes qui n'ont pas encore dit ouvertement qu'elles étaient en train de chercher. Il n'y a pas plus simple, enfin plus simple. C'est plus simple en tout cas, de si jamais vous avez la chance de tomber dans le moment où ils se posent la question, tiens, est-ce que ce n'est pas le moment pour nous d'avoir un, un premier product manager Ça va être beaucoup plus simple d'y aller avant qu'ils aient mis une pub, enfin une, une job desk dans l'extérieur, parce qu'il n'y a pas encore de candidats, vous êtes un peu seul, ça peut vous donner un avantage non négligeable. Euh, sur... Excuse-moi, ouais. je t'ai coupé, vas-y, termine. Un... Du coup, là-dedans, euh, ce qui va être important, de. C'est pas juste de dire fait... ce que j'essaie de dire, ce n'est pas. Euh... Euh, je ne vous demande pas d'être le premier de la classe. Genre, j'ai fait un truc qui n'a rien à voir avec leur problématique, mais je l'ai fait, donc ils devraient me regarder. Hein. Je suis bien en train de dire que vous devez vous poser la question de cette boîte, elle en est où Qu'est-ce qu'elle cherche à atteindre en termes de mission Quel problème probable elle a Et je vais m'intéresser à ça. Et c'est ça qui va faire que vous allez sortir du lot. Pas juste le fait que vous avez fait un case study, parce que si vous faites un case study très bateau qui ne leur apporte rien. C'est cool parce qu'ils vont se dire oui, bon, c'est la seule personne qui l'a fait, mais ça ne montre pas trop euh, ce, que, ce que vous avez fait. Quoi. Euh, alors le, le, le temps court, hein, c'est vraiment un truc de dingue. Euh, est-ce est que alors je pense que ça va intéresser pas mal de monde, est-ce que tu peux nous parler de salaire, de grille de salaire dans le product management? Ouais. Ouais, je, je peux. Euh, alors, j'en avais trois autres que je ne vais pas vous donner là. Juste pour que vous sachiez, j'ai commencé à rédiger un article que je publierai du coup dans la foulée, parce qu'il y a plein plein de trucs dont on aurait pu parler, dont je parle pas là. Et euh, donc, si ça vous intéresse, il euh, y aura un article très prochainement sur les salaires. Mais ça tombe bien parce que le baromètre là, de la LPC est sorti euh, du coup vendredi. Euh, donc, je vous invite vraiment euh, à aller le, le regarder. Euh, mais globalement, je pense que ce qu'il faut imaginer, donc, euh, c'est euh, quand vous n'avez pas d'expérience, vous allez être autour des 40-45. Ça va être à peu près ça. Allez, la fourchette, c'est peut-être 40 à 50, mais 50, ça commence à être déjà bien quand même. Euh, même, je dirais, tu, fourchette large. Euh, Olivier, oui. tu parles en expérience PM ou ça... Oui, oui expérience PM. Ouais. Okay. Euh, oui. Alors, en vrai, je, je cite vraiment les chiffres du baromètre. Donc, euh, mais étant, si j'applique, est-ce que moi, j'aurais pratiqué Oui, c'est plutôt expérience PM que je prendrais en compte. Si tu as, si as 20 ans d'expérience, mais tu n'as jamais été PM je vais, pas te donner... enfin, je, vais, je vais un petit peu majorer parce que je comprends que dans ta vie, tu as une, une étape, machin, etc. Mais, euh, mais du coup, je vais attendre que tu me montres aussi des choses en entretien. Mais ouais, ça va être ça. Euh, donc, si vous n'avez pas d'expérience PIM, il faut, faut compter entre les 35 et 45, je pense. Euh, si vous êtes plutôt euh, de 2 à, à 4 ans, euh, vous allez plutôt autour des 50 et, et peut-être un peu plus haut. Euh, en fonction de votre niveau de responsabilité 50, 55, peut-être jusqu'à 60 euh, mais si vous commencez à avoir du management et tout, vous allez plutôt jumper autour des 65 euh, si vous avez plus de 4 ans euh, jusqu'à 8 ans, euh, c'est très variable du coup, ça va être super variable ça va dépendre de quelle boîte par quelle boîte vous êtes passé etc, etc, mais globalement sachez que c'est des, des potes qui peuvent monter assez haut, surtout euh, euh, et maintenant il y a, y a quand même deux, deux, deux tracks qui cohabitent je pense quand même qu'il y a encore un petit avantage. Dès que vous faites du management, vous avez un salaire plus haut, mais vous avez aussi plein d'emmerdes et vous faites moins de produits. Donc, si vous êtes vraiment passionné de produits, c'est quand même une question à se poser. Mais ça peut monter jusqu'à 100, 120, 140, bref, sur des postes VP, CPO, etc. Mais il y a de plus en plus la deuxième traque qui est vraiment une traque d'expertise, c'est-à-dire vous êtes expérimenté, vous êtes un super product, on vous met sur les produits les plus strat, stratégiques de la boîte et vous êtes juste super fort, vous mentorez quelques personnes vous n'êtes pas forcément manager, là aussi vous allez aller chercher des beaux salaires mais probablement qu'à un moment vous allez atteindre une espèce de, de, de plafond parce que il parce y a toujours un petit, petit bénéfice pour les managers, mais sachant qu'à ça va se rajouter en fonction du type de structure, plus la structure est petite etc plus vous pouvez rajouter une forme de variable qui vont souvent être des BSPCE euh, donc des des stock options quoi qui pourraient valoir de l'argent à un moment quoi calon euh, j'ai l'impression que tu as, as répondu à quelques questions qui tombent euh, on va, alors on, on va on va rester sur des questions un peu un peu générales si vous voulez bien euh, qui qui, euh, qui, qui touche un peu qui touche un peu à tous euh, est-ce que euh, euh, donc euh, ouais que, comment, comment euh, euh, quelle part variable dans un salaire de product management est-ce qu'il y a de la variable ouais, bon. est-ce qu'il y, est qu y a du variable dans un poste de product management ouais, à partir ça, dépend, ça dépend un peu des boîtes euh, ça arrive euh, alors chez Mano Mano par exemple nous on le pratiquait ouais. euh, je sais qu'il y a des boîtes qui ne le pratiquent pas et alors après, il y, y a deux questions intéressantes, c'est est-ce qu'il y a du variable ou pas Alors oui, souvent ça va être 5, 10%, 15% mais maximum, j'ai pas trop vu moi en tout cas de mon expérience des, des, des postes de product où tu sois à 50% de variable quoi. Euh, ce qu'on pourrait potentiellement voir dans certaines organisations sales, euh, donc il y, y a la question du variable et il y a la question de sur quoi il est basé ton variable euh, et donc là tu peux avoir du variable individuel, enfin du, du, vraiment des objectifs individuels ou des objectifs d'équipe moi je sais que je suis beaucoup plus favorable dans une organisation de produit à avoir des objectifs d'équipe parce que tu es censé être un team player etc, etc. et pour essayer de gommer une, une des parties, des, des mauvais côtés du variable qui est, enfin euh, si tu es sur un objectif trop individuel, tu peux potentiellement euh, vachement favoriser euh, toi, le levier sur lequel tu es concentré et complètement péter la suite du business euh, et euh, choper ton variable. Et bon bref, ça peut donner des, des trucs qui sont pas très... Euh, qui, dont la balance n'est pas la bonne. Quoi. On va, on va, alors le, le, temps, le temps court, on va, je, vais, je vais te poser une dernière question. Ça va être sur ouais. euh, l'après-product management. Donc euh, mettons que tu as 5-10 ans, voire plus une belle carrière en produit. Ouais. Euh, quels sont les débouchés, qu'est-ce que tu peux faire après Alors, plein de pistes. Déjà, tu es libre, donc tu fais ce que tu veux, mais euh, le plus généralement, ce que tu vas avoir, c'est euh, soit tu as cette track de management dont j'ai déjà parlé, tu deviens lead product manager ou product director, head of product, enfin bref, chief product officer, vp, enfin, tous ces trucs-là. Ces termes hein, sont assez interchangeables parce que ça dépend beaucoup des organisations, des tailles d'organisation et tout. Donc, c'est une track de management où tu fais du leadership et tu as des product managers en direct euh, ou des product directors, head of product. Euh, ça, c'est une première piste et tu continues un peu dans cette voie-là et tu vas juste euh, bah, cranter soit dans la même boîte, soit dans des nouvelles boîtes avec des nouvelles responsabilités. Il euh, y a la track spécialiste, donc tu fais ça, mais donc plutôt, es, tu, pareil, dans la même boîte ou dans des nouvelles boîtes et tu deviens euh, vraiment super fort et tu es ce qu'on appelle des principales principal ou groupe group, principal PM, c'est du coup tu es vraiment super euh, expérimenté dans ce que tu fais et tu fais un peu de mentoring, mais on n'attend pas de toi du management. Les autres débouchés classiques, c'est euh, euh, pourquoi pas aller faire du freelance, euh, du coaching, euh, du, des choses comme ça euh, ou être entrepreneur, quoi. Euh, ça te prépare assez bien euh, à euh, créer ta boîte parce qu'en fait. Euh, notamment une bonne dans le produit parce que tu auras réussi à travailler beaucoup sur ton influence auprès des gens tu sauras collaborer avec plein plein de métiers différents analyser quel est le bon marché le bon problème à aller tacler, dans quel ordre etc, donc enfin bref, il y a plein de skills qui, qui peuvent vraiment vous préparer à une vie d'entrepreneur après quoi Est-ce euh... qu'on peut dire qu'un PM c'est un mini-CEO Ce sera la dernière question ouais. <laughs> Désolé euh, Alors, on peut le dire mais j'y crois pas <laughs> Euh, non on peut le dire je pense que la métaphore s'arrête euh, assez vite pour bon, déjà ça dépend euh, quel type de CEO tu penses quoi si, parce que vous connaissez le, le sketch des inconnus quoi. Il, y a le, il y a le bon CEO et le <laughs> Bref. Euh, si vous pensez à un CEO qui qui sait super bien Mettre en avant son équipe, c'est super bien s'entourer, aligner les gens, donner une vision, mais être vraiment à l'écoute et laisser la place, il y a des, vraiment beaucoup de similitudes. Si vous pensez à un CEO qui utilise son autorité, qui, euh, qui a le pouvoir de décision sur la majeure partie des choses, etc., vous n'êtes pas ça du tout euh, quand vous êtes PM. Moi, la, moi, la manière que j'ai le décrire le plus souvent, et pour ceux qui me connaissent un peu, ça va être redondant, mais j'aime bien plutôt raconter que le, le PM, c'est plus comme un, comme un investisseur. Euh, un investisseur vous voyez il a un fonds d'investissement imaginons il travaille dans, une, dans un fonds qui a 5 millions à investir il a plein de start-up euh, donc il a plein de bonnes idées dans lesquelles investir et il doit se poser la question de où est-ce que je le mets mon argent et bien du coup le PM c'est quasiment la même chose c'est à dire il a plus de problèmes ou d'opportunités à aller chercher c'est l'équivalent des start-up il a un fonds qui est le temps de son équipe qui est limité et le, je vous jure que dans une start-up le temps est super limité euh, et donc, du coup, il doit se poser la question de où est-ce que j'alloue le temps C'est quoi le bon problème à tacler Dans quel ordre Et combien de temps je suis prêt à investir dedans Pour quel impact espérer Et donc, un investisseur, il prend des paris hein, quand il investit. Et un, un PM, il prend des paris aussi. Puisqu'en fait, il se dit Je pense que si je fais ce truc-là, je vais aller chercher tel impact, alors tel succès, et ça nous permet ça. Et, et donc, tu prends des paris aussi. Et donc, euh, moi, je trouve que c'est plutôt plus proche d'un investisseur que d'un CEO. Quoi. Merci beaucoup, Olivier. J'ai mis, le, euh, mis le, 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 le lien vers ProductVerse, qui est vraiment une newsletter canon. Moi, je la reçois, je la lis tous les lundis. Euh, donc, n'hésitez pas à, à vraiment vous inscrire dessus. Euh, Mettez-nous, quand même, 0 ou 5, entre 0,5 s'il vous plaît, dans le chat pour qu'on sache, euh, bah, pour qu'on ait une idée euh, de votre retour sur ce talk. Et, et surtout, si vous, si vous, si vous pensez qu'on est plutôt sur 3, 4, voire moins, comment est-ce qu'on aurait pu s'améliorer Très, très, très rapidement, euh, on voit mes slides sur Maestro, j'ai l'impression. Donc, on est, comme je disais, le premier product, le premier bootcamp dédié, euh, dédié au, product, euh, au product management. Euh, la prochaine session, c'est le 25 janvier. On est sur euh, un bootcamp en 7 semaines, 5 semaines en présentiel, 2 semaines en distance, où vraiment le but, c'est de se préparer à fond pour trouver un job, euh, booster sa compréhension et faire une app avec des métriques derrière, comme tu disais euh, si bien, Olivier, euh, sur, sur, sur une pédagogie 80-20, donc 80%, 80 de. De, de, de pratique, 20% de théorie. On fait que des études de carte très très souvent. On a une quarantaine d'intervenants euh, très cool, euh, canon, et pas que des gens du milieu du product. Là par exemple, on a un prof de théâtre qui vient demain pour la question du, de la prise de parole en public. On a des ingés, des designers. Euh, on a plein 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 de webinaires qui arrivent. Euh, mercredi, il y en a un avec Hermine qui va être beaucoup plus spécifique sur la même question de décrocher un job euh, en product management, mais qui va venir nous montrer sa méthode. Euh, quasi scientifique, euh, comment, comment elle, elle, a, elle, a, elle a scientifisé la recherche d'emploi dans le product management. Donc, on en a plein qui arrivent. Euh, moi, à titre personnel, je fais du recrutement euh, de product. Donc, euh, si vous recherchez un product ou si vous recherchez à être recruté en product, n'hésitez pas à me contacter sur The Product Crew. Et, euh, et voilà, sinon, euh, vous avez notre contact ici, et anabagentmaistro.co. Hop, c'était euh, le moment un petit peu publicité relou YouTube les 5 secondes à la fin merci beaucoup Olivier encore une fois moi, je, moi ça m'a passionné ça reprend vraiment beaucoup de choses euh, qu'on a vu dans le cours aujourd'hui et il et, et, et y a beaucoup de feedback de choses dont je vais me nourrir pour, pour, pour améliorer euh, par la suite euh, donc euh, vraiment merci c'était euh, un plaisir de t'accueillir euh, merci, euh, merci Alex <laughs> pour l'exercice aussi et, euh, et j'ai voilà, posé et... deux questions <laughs> C'était les deux meilleurs. Hein, merci. C'était clairement les, 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 les deux meilleurs. Euh...